Et bonsoir à tous, on se retrouve pour un 219e épisode de notre Let's Play Station Years de saison 5, toujours sur Vulcain, dans notre ferme à azote, où on a notre riz qui a poussé, qui est en train d'avancer vers les graines. Donc ça c'est a priori plutôt une bonne nouvelle. Parce que celui-là il n'avait pas planté, celui-là non plus, et ça on sait pas trop pourquoi. Mais en tout cas, on a le riz qui va faire des graines à un moment donné. La grande question, c'est quand. Alors, il y a eu une nouvelle update où ils ont rajouté encore des nouveaux trucs d'un point de vue génétique. Qui est où? Où est-ce qu'ils nous ont rajouté ça? Growing food, harvesting, fertilizer, non. Non, non, non. Decay, non. Ils n'ont pas ajouté un truc génétique, c'est dommage. Je crois que c'était sampler. Plant sampler, oui, ça c'est bien, mais c'était pas ça. Jean quelque chose. Chromosome. Bon, j'ai oublié. Mais surtout. Plant Genetics Stabilizer, Plant Genetics Splicer. Le Plant Genetic Analyzer, on l'avait déjà. Oui, une cartouche Plant Analyzer maintenant. Une cartridge Plant Analyzer. C'est nouveau ça. C'est nouveau. On va peut-être aller voir ce que c'est. J'aurais bien aimé voir les graines apparaître. Peut-être. Et puis voir si on... Est-ce qu'on change ça par des tomates? Parce que les tomates étaient censées être produites beaucoup plus rapidement. Donc ça pourrait peut-être valoir le coup, mais... Mais par contre... Ouais, bon, le riz ça peut peut-être suffire. Pour ce dont on a besoin en termes d'azote. Parce que techniquement, une fois qu'on a rempli toutes nos pièces avec de l'azote, un peu plus d'azote pour pouvoir remplir des jetpacks, mais c'est tout, hein. C'est tout. Donc, est-ce qu'on va rester là, aller regarder, évoluer vers les graines? Est-ce que déjà, c'était une heure, je crois, si j'ai pas de bêtises, pour le riz, pour ton temps de... est-ce que tu nous le dis ici? Non. Que ça permet de faire du riz. Tu dis une heure et une seconde de grow time, mais est-ce que c'est grow time jusqu'à la collecte du riz ou grow time jusqu'à la collecte des graines de riz? Ça, c'est la grande question. Après, les tomates, elles avaient l'avantage que... Ah non, c'était 4 heures. C'était pas les tomates, c'était les patates. C'était les patates. Patates qui faisaient 20 minutes.
Mais même question si on doit attendre derrière les graines. Est-ce qu'on attend les graines ici? Est-ce qu'on n'attend pas les graines? Est-ce que je planterai pas une patate pour voir? Une patate que je n'ai pas ici. Je pourrais la mettre là, elle serait pas récoltée. Ça permettrait de constater. Ouais. On va aller chercher ça. Une patate, comme ça on va pouvoir comparer. Oui, oxygène critical, c'est pas grave. On va comparer, on va aussi regarder ici si la tête a changé. Non. Parce que c'est pareil ici, elles doivent... Elles étaient sur le point de faire des graines également. Je sais plus quel était le gros time. Quel était le gros time de... Darga. 1h20. C'est un peu plus long. Yeah. C'était pas là-dedans. C'était pas là-dedans. C'était un que j'avais laissé en bas. Diantre. C'était un backpack qui était resté là. Celui-là. Et hop. Bon, apparemment ça va. Patate. Et salut XK et merci pour le renew. On va y mettre une patate. Normalement, elle, c'est en 20 minutes. Donc, je vais surveiller l'heure. Et on va voir si c'est 20 minutes pour... les fruits ou 20 minutes pour les graines. En tout cas, j'ai bien fait la dernière fois de mettre le cycle jour-nuit, parce que maintenant c'est indispensable, les plantes crèvent si on, leur, si on les laisse pas dormir un peu. Et d'ailleurs... Ils disent qu'elles sont pas contentes. Alors que là, elle me dit pas qu'elle est pas contente. Tu vas avoir ton temps de repos là. T'inquiète pas. Ça va arriver. Bientôt. Voilà. Les patates, ça va. C'est plutôt le riz là qui est relou. Mais je sais pas pourquoi est-ce qu'ils disent ne pas être... Ah, à moins que ça soit mon... Ah non, c'est bon. C'était bien ça. C'était le temps de repos. Et ça, c'est un GPS. Ouais, mes plantes sont relou.
Niveau atmosphère, on est bien. Donc 5 minutes de... d'obscurité. On va aller voir ce que ça donne de l'autre côté. Oui, il y a une petite gemme là. On va aller voir ce que ça donne de l'autre côté sur les fernes. Est-ce qu'elles ont commencé à faire des graines ou pas? Est-ce que les autres ont crevé ou pas aussi? Les anciennes? Non. Elles sont mal en point, mais elles n'ont pas crevé. Il y a eu un petit... Ça avait dit growing toward quelque chose, mais j'ai pas... J'ai pas bien vu. J'ai pas eu le temps de bien voir. Est-ce que ça fait des graines, les dargas? Sinon, c'est un peu con que j'attende des graines. Elles sont pas là-dedans, en tout cas. Là, j'attends peut-être quelque chose qui n'arrivera jamais. Bon, on va leur laisser encore un peu de temps. Si ça se trouve, elles vont finir par le faire. Oui, oxygène critical, je sais. Je sais, je sais. Boum. Alors du coup, les pommes de terre... ça doit être 20 minutes, mais sans compter les 5 minutes d'obscurité. Donc ça va faire 25 minutes. Par contre, combien de temps pour avoir les graines? Aucune idée. Aucune idée. Graines de riz? Déjà, à quelle heure ça s'est coupé, ma lumière? J'avais planté ma pomme de terre à 21h07. Heure réelle. J'ai dû se couper 2 minutes après. Ah ben voilà. Ok, la pomme de terre, elle grandit bien. Ça, c'est une gentille pomme de terre. Je me demande s'il est toujours possible de faire un clear involontaire sur les RV. Ah! Une graine. Une seule.
graine. 3 riz. Je devrais bientôt passer à une graine. Normalement, j'avais mis une minute de timer pour la récolte. Ah, mais ça fait que une graine par plante. Pas grand chose. Bon, elle, elle aura pas fait. Tant pis. Pas grave. Et le dernier. Tu as planté à plein d'endroits. Il y en a certains où tu n'as pas planté. Il n'y avait rien dans le tuyau pour planter. Il y a des grains de riz qui ont popé à l'extérieur. Mais ceux-là, ils étaient déjà là la dernière fois. Potentiellement. Et la patate? Elle pousse bien la patate? Est-ce que je peux récupérer l'autre? Où est-ce que j'avais mis ça? Est-ce que tu récupères? Non. Est-ce que de l'autre côté tu récupères? Non. Alors c'est peut-être qu'il n'y a pas besoin de récupérer. Que t'es trop bugué pour récupérer. Bon, mon timer, en tout cas, il a l'air d'être à peu près correct. Les plantes ont l'air d'être contentes. Ça a dû me produire de l'engrais. Ça doit être en train de me produire de l'engrais, plutôt. Vraiment rouler par là. Ça devrait rouler par là. Ça. Pire, on fera un trou jusqu'à la lave. Mais j'aimerais bien en voir un sortir.
devrait sortir là. Il faudra peut-être que je mette du support aussi ici. Mon dieu. Ah oui, non, pas là pour l'instant. Les autres aussi. Boum. Ça laissait à désirer quand même. Ah. Voilà. Faut que je refasse des steel sheets. Alors, tu sors ou ben, tu sors pas? Je dirais que tu sors pas. Tu ne sors pas. Est-ce que tu bosses? Bon, les patates, elles grandissent. Vous. Toi, je peux pas me dire. What? Item left to process 968. Currently processing. Qu'est-ce que tu dis? Activate 1, mode 0. On dirait que tu processes rien du tout. Comment il s'appelle déjà? Composteur. Les compoteurs qui font de la compote. Des specs, quoi. Mode, c'est mode 0 ou mode 1, ok. Oui, c'est bon la compote. On va lui laisser un
petit temps de repos. On va faire un activate 0, un yield. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Et on se retrouve dès demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!